Il y en a deux autres. Regarde ce que ton cœur se dit pour toi, clair du passage. Il y en a deux, 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 De l'amour, veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secours de l'amour. Partez dans le silence aux sources des eaux claires et cherchez ma présence au feu de la lumière. Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour, veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il revint et trouva ses disciples endormis. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Puissions-nous, Seigneur, trouver réconfort dans nos prières, que notre parole aide les autres à se confier à toi. Fais le prophète, Messie. Dis-nous qui t'a frappé. Lève-toi. Et marche. Cinquième station, arrestation de Jésus. Survint Judas, l'un des douze, et avec lui une foule nombreuse, armée de glaives et de bâtons. C'est lui, arrêtez-le. Il s'approche aussitôt de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et lui donna un long baiser. Ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Notre vie est loin de te ressembler, Seigneur. Que nous ne soyons pas corrompus. Fille de Sion, cessez cette pitié. Prends ou exécute les vauriens condamnés. Allons, roi des Juifs, lève-toi et marche. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvrez-nous le chemin. La profondeur de l'eau.
l'océan de ta grâce. Et qui ait sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix. Elle abat trop souvent le patient sous son poids. Allons, roi des Juifs, lève-toi et marche. Ton amour, même quand cela nous dérange. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Un autre l'aperçut. Cet homme était aussi avec Jésus de Nazareth. Je ne connais pas cet homme. Un moment après, les gens qui se trouvaient là s'approchèrent. Mais oui, tu es de ces gens-là. D'ailleurs, cela se reconnaît à ton accent. Mais il se mit à lancer des jurons et des imprécations et à répéter qu'il ne le connaissait pas. À ce moment, le coq chanta. D'affirmer notre foi dans un monde marqué par l'incroyance et par l'indifférence. Allons, roi des Juifs, debout et en avant. Car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Lève-toi et marche. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon frère. Jésus va connaître.
sommes-nous sensibles à toute personne opprimée, rejetée, persécutée? Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu mérites la mort. Lève-toi et marche. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse. Purifie-moi de tous mes péchés. Seigneur, tes enfants, oui, je me lèverai et j'irai vers mon père. La procession va passer devant la chapelle dédiée à Notre-Dame, à la maman de Jésus, le vendredi saint Notre-Dame des Sept Douleurs. Nous pouvons lui confier nos intentions les plus secrètes. Multiplier contre lui les accusations. Tu ne réponds rien? Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répond plus rien, si bien que Pilate s'en étonne. Apprends-nous à faire la vérité en nous, autour de nous. Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix, car elle abat trop souvent le patient sous son poids. Alors, roi des Juifs, lève-toi et marche. S'étant assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode, Pilate à Jésus à Hérode. Il l'interrogeait avec force parole, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, l'ayant traité avec mépris, le renvoya à Pilate. Ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Garde-nous, Seigneur, de toute méchanceté. Aide-nous à reconnaître la dignité de tout homme, de toute race. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais mépriser qui que ce soit. Jésus de Nazareth, reprends donc cette croix. Tu verras tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Lève-toi et marche. Je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Après l'avoir châtié, je le relâcherai. Mais ils vociférèrent tous ensemble. À mort cet homme, relâche-nous Barabbas. Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont la lourde responsabilité de juger. Nous agissons souvent sous la pression des autres. Ne nous laisse pas succomber au qu'en dira-t-on. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu mérites la mort. Lève-toi et marche. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. À la place de Barnabas, mais qui va être aussi flagellé. Nous pensons à tous ceux qui sont martyrisés pour l'amour du Seigneur. Voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il livra Jésus après l'avoir fait flageller. Le châtiment qui nous sauve a pesé sur lui. C'est grâce à ses meurtrissures que nous avons la guérison. Quand la vie est dure, quand les difficultés sont là, puissions-nous, Seigneur, garder l'amour. Car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Lève-toi et marche. D'une couronne d'épines qu'ils ont tressée,
et lui font des révérences. Salut, roi des Juifs. Seigneur, tu as été humilié, outragé, objet de plaisanterie. Donne-nous la force de dépasser les humiliations, les moqueries, par amour pour toi. Et marche! Du cœur et du corps. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Voici l'homme, dit Pilate. Les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Rends-nous attentifs, Seigneur, aux handicapés, aux vieillards, aux infirmes, aux incurables. Pardon de ne pas reconnaître en eux ton visage. Allons, roi des Juifs, reprendons cette croix. Tu verras tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Lève-toi, marche. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos responsabilités, à tenir nos engagements, même lorsque cela est dur et difficile. Jésus de Nazareth, monte au calvaire, et de ton sang, tu arroseras la terre. Lève-toi et marche. Il s'ouvre sur nos croix, et nous passons sans te vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Elles transmettre le meilleur de ce qu'elles ont reçu. L'amour de Dieu, les frères, la solidarité, le partage. Ils ont marché sur les pierres où nous marchons aujourd'hui. Ils sont nos frères du ciel. Ils sont nos frères dans la foi. Nous sommes particulièrement unis à ceux qui sont partis, à ceux qui nous ont préservés. Ils prirent donc Jésus, et portant lui-même sa croix, il sortit de la ville pour aller au lieu-dit du crâne, en hébreu, Golgotha. En souffrant avec son fils, qui mourait sur la croix, Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Comme Simon de Cyrène, nous côtoyons tous les jours la souffrance des autres, que nous les aidions à porter leur croix et que nous acceptions que d'autres nous aident à porter notre croix. Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix. Elle abat trop souvent le patient sous son poids. Alors, roi des Juifs, lève-toi et marche.
c'est toi, Seigneur, qui nous a choisis. Tu nous appelles tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour. Donne-nous ta joie pour verser le vin de la fête. Donne-nous l'esprit. Oh, Seigneur, qui nous a choisis, tu nous appelles tes amis. Véronique essuie le visage de Jésus. Son aspect défiguré n'avait plus rien de l'homme. Le Seigneur lui-même, par le concile, presse à nouveau tous les chrétiens s'unir plus intimement à lui de jour en jour et de prendre à cœur ses intérêts comme leurs propres affaires. Seigneur, donne force, courage, patience et bonté à tous ceux qui sont au service des malades, des infirmes, des handicapés. Jésus de Nazareth, debout et en avant, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Lève-toi et marche. Quand la foule te condamne à mort, qui de nous veut protester? Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Jésus à la porte judiciaire. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Comment te suivre, Seigneur? En vous engageant à ta suite par une vie donnée au jour le jour. Tu as blasphémé en te disant, fils de Dieu, tu mérites la mort. Lève-toi et marche. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Ton sang, Seigneur, fut pour nous répandu. Ton corps, Seigneur, tu peux nous crucifier. Que tant d'amour ne soit pas méconnu, mais que ton nom soit partout sanctifié. Deuxième station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit du crâne, là ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus lui disait : Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
pour ceux qui ne nous aiment pas. Prions pour ne pas écarter le pardon. Priez de Jérusalem, cessez cette pitié. On m'exécute, les vauriens condamnés. Adressé sur le monde aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, Dieu t'envoie dans la vie et nous rachète en prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Et près d'elle, le disciple qu'il préférait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus meurt sur la croix. Jésus, poussant un grand cri, expira. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, s'écrie. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Tu règneras, ô roi du nous-sommes, qui cherche la vérité, ô roi du nous-sommes. Élevé par Dieu, dans notre Seigneur, à l'ordre épiscopal. Prions pour les ministres de l'Église, pour tous ceux à qui est confiée une responsabilité dans l'Église, les évêques, les prêtres, les diacres. Donne à tous ceux que tu choisis le courage et la joie d'annoncer ton royaume. Prions pour les jeunes qui sont en souffrance, dans des situations de famille difficiles. Donne-leur, Seigneur, le courage d'affronter ces étapes difficiles. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour tous ceux qui te cherchent, ceux qui se préparent au baptême, surtout, tiennent à des églises séparées, qu'ils découvrent la lumière et approfondissent la foi. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière. Seigneur notre Dieu, tu exauces la prière de tes enfants. Plus encore en ce jour où le Christ offre sa vie pour notre salut, nous le croyons, tu offres ton amour à chacun. Nous t'en prions encore que ces fêtes de Pâques apportent joie et consolation.
Radio Libertaire 89.4, nous sommes direct du studio que vous pouvez appeler à 01 43 71 89 40, bien sûr. Et nous sommes en compagnie de Gérard Courant, qui est presque un habitué de Radio Libertaire, en tous les cas dans cette émission, et avec lequel nous avons donc le plaisir de parler d'une programmation que propose Bobigny. Bobigny, que vous connaissez bien aussi parce que c'est le magique cinéma à Bobigny, qui fait toujours des choses très importantes, qui édite aussi des livres, qui après s'appellent ou qui correspondent à une programmation qui s'appelle Théâtre au cinéma, et c'est le 19e Festival Théâtre au cinéma dont il s'agit, donc à Bobigny, du 28 mars au 13 avril. Donc il faut vous dépêcher de rattraper encore les perles qu'il y a là-bas. Et les perles ont été rassemblées autour de grands auteurs, à savoir Derek Jarman et Jean Cocteau. Alors les deux sont morts, mais chacun s'est quand même élaboré son Cocteau, son Jarman, dans le fort de son cœur. Alors Gérard, ma première question à toi, ça serait, dis-nous, tant Cocteau, tant Derek Jarman, ça correspond à quoi? Déjà, bonjour. Oui, j'ai oublié bonjour, bonjour à tout le monde. Je connais mieux l'œuvre cinématographique de Cocteau, dont j'ai vu tous les films, que celle de Jarman, dont j'ai vu quelques films. Et Cocteau, à mon avis, c'est vraiment le cinéma le plus libre qui soit. C'est-à-dire que on pourrait s'imaginer, oui, c'est un auteur de théâtre au départ, c'est un écrivain qui après a fait du cinéma, et il a peut-être des carcans autour de lui. Et non, il a tout fait exploser. Quand il a commencé à faire des films, tout de suite, il a fait un cinéma extrêmement libre. Et dans la mouvance surréaliste dans les années 30. C'est extrêmement différent du cinéma qu'on faisait à l'époque. Absolument. Et c'est un cinéma qui ne ressemble absolument à rien de ce qui se faisait à l'époque. Et même aujourd'hui, il y a des cinéastes qui ont essayé de le copier. Malgré ça, il reste complètement unique. Et quand on revoit les films comme La Belle et la Bête, des films qui ont presque 60 ans, on est émerveillé par cette grâce qu'il y a dans ce cinéma-là. Bien sûr, c'est un poète alors, avant tout. Mais toi, ça m'étonne un peu. Tu as été complètement marqué par La Belle et la Bête. Moi, j'ai été marqué par les Orphées. Absolument, par les Orphées. Parce que ça, pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais encore vu. Bon, il faut dire qu'à l'époque, j'étais encore en Allemagne. Quand j'ai découvert ça, c'était en Allemagne. Et c'était pour moi, mes films cultes, c'était ça. Oui, mais l'avantage de Jean Cocteau, il a fait peu de films. Donc, quand je parle de La Belle et la Bête, mais oui. Je ne privilégie pas vraiment La Belle et la Bête. Hein. Pour moi, c'est un ensemble. C'est vraiment une œuvre. Je t'ai posé la question. Voilà, c'est vraiment une œuvre. Et tous les films sont passionnants. Enfin, par le petit nombre de films, eh bien, à chaque fois qu'il a fait un film, disons, il était vraiment prêt. Ce n'est jamais des films qui ont été faits comme ça à la va-vite. C'est des films qui étaient pensés. Et même, il a fait un film que lui-même qualifie de film d'amateur. C'est La Villa sans Sospire, qui est une sorte de documentaire, enfin, une sorte de... Oui, c'est pas vraiment un documentaire autobiographique, où il nous montre le travail qu'il fait de décoration dans une maison où il peint, il fait des œuvres sur tous les murs de cette maison. C'est un petit film de 40 minutes, tourné en 16 mm, Kodachrome, et c'est étincelant, c'est étonnant. Il y a une poésie qui déborde dans chaque image. Et lui, il dit, oui, oh, c'est un petit film, moi j'y suis pour rien, c'est grâce aux couleurs du Kodachrome. Mais, on dit qu'il était mégalo, tout ça, pas du tout. Il y a une modestie aussi chez Cocteau et qui me touche beaucoup. Oui, il y a eu sur Cocteau une superbe exposition à Venise que j'ai pu voir. Et ça frappait que, en fin de compte, les gens avaient peu de choses à dire sur lui, mais ils étaient tous unanimes dans une espèce d'admiration profonde. Et personne, en fait, parler de sa vie privée, ce qu'on a parfois beaucoup sorti après, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une œuvre unique. Alors, en revanche, Derek Jarman, alors est-ce que là, il n'y a pas une grande différence dans le personnage et qui il touchait et par qui il était porté au nu? Le problème, autant...
Jean Cocteau, c'est vraiment le cinéma, enfin le cinéma même, un cinéma de poésie, le cinéma de German. Enfin, je me pose la question, est-ce que German est vraiment un cinéaste? Parce qu'au départ, c'est un décorateur. Et c'est, en fait, c'est un décorateur qui est devenu réalisateur. Et peut-être, c'est là où il y a quelque chose qui peut-être passe peut-être pas bien. C'est-à-dire que quand je vois un film de German, bien sûr, on voit que c'est quelqu'un qui a du talent, qui a un savoir-faire, mais c'est vrai qu'il n'a pas le génie qu'a Jean Cocteau, évidemment. Et Jean Cocteau, c'est un poète. German, c'est plus un plasticien, quelque part. Oui, c'est le mot aussi qui me venait à l'esprit, puisque ces mises en scène, c'est vraiment un théâtre un peu baroque, drapé, avec des draperies, et en même temps, c'est l'aspect fou d'une certaine... Bon, maintenant, ils appellent ça, hélas, ils appellent ça queer, mais pour moi, c'est pas du cinéma queer, c'est un cinéma très artistique, voulu artistique, voulu esthétique, voulu un peu artificiel. Voilà, alors que le cinéma de Cocteau est tout sauf artificiel, même si, en apparence, il pourrait le paraître parfois, au contraire, c'est toujours un cinéma profond. Alors que c'est vrai, le cinéma de German, c'est plus clinquant, c'est plus tape à l'œil. C'est une mouvance comme ça aussi. En Angleterre, il y a un certain nombre de cinéastes qui ont travaillé comme ça. Ça vient aussi de la musique rock, ça vient de la pop, tout ça. Donc, dont German a vécu là-dedans. Il est un enfant de cette époque-là, de la pop musique. Même s'il a fait aussi des films sur les punks, il a baigné dans ce creuset-là. Oui. Et puis il y a aussi ce qui me frappe là, en regardant encore une fois de plus près le programme. Chez Cocteau, il y a aussi un travail sur les textes de son époque. Il y a quand même une mise en cinéma, je dirais ça, c'est pas une adaptation, c'est vraiment un film de Cocteau, c'est Les parents terribles. Je trouve ça absolument bouleversant. Ça m'a toujours bouleversé. C'est formidable, ce film-là. Et ça veut dire qu'il peut très bien servir aussi un texte, servir autre chose. Enfin, un peu comme il le fait d'ailleurs aussi dans La Belle et la Bête. C'est bien un texte aussi, quelque part. Oui, bien sûr. Non, mais c'est certain que Jean Cocteau est beaucoup plus littéraire que German. German, c'est vraiment plus... Il vient plus des arts plastiques, c'est évident. Oui. Et n'importe comment, en plus, dans le cinéma français, il y a toute une tradition littéraire. Des gens comme Bresson, comme Godard, comme Truffaut, tout ça, ils ont quelque chose, une filiation très proche de la littérature. Et donc Cocteau est l'un des emblèmes de ce cinéma français. Et d'ailleurs, le cinéma de Jean Cocteau est très apprécié à l'étranger, aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui en même temps dit plein de choses sur la culture française du XXe siècle et même d'avant. Il est complètement dans son époque, Cocteau. Oui, en même temps, il y a une synthèse de tout ce qui est merveilleux, enfin, du côté du merveilleux, du magique, même presque du côté du fantastique parfois. Oui, mais je dirais, Cocteau, c'est un artiste et total. Et pour toi, c'est donc quelqu'un qui vient plutôt du surréalisme, c'est pas... Non, pas du tout. Non, il a été proche du surréalisme à un moment donné. Il a utilisé presque le surréalisme quand il a fait son premier film. Non, il est son propre monde, Cocteau, il est unique. À des moments, il a été proche d'autres artistes, mais c'est vraiment un artiste unique. C'est un artiste total et quand il fait du cinéma, c'est pas de sa littérature, c'est pas son théâtre, c'est vraiment du cinéma. C'est-à-dire que c'est German, on pourrait dire peut-être que c'est trop, quand on voit des films de German, tiens, on se dit c'est peut-être trop proche de son côté décorateur ou art plastique. Cocteau, vraiment, c'est du cinéma, voilà, point. Bien, alors autour de German et autour de Cocteau, évidemment, ils sont piochés dans l'œuvre très riche de Gérard Courant, et c'est pourquoi aussi on l'a invité. C'est-à-dire que les cinématons sont largement montrés et, en association avec ces deux artistes. Alors, vas-y Gérard, explique-nous quand et
Quel jour on peut aller voir ça? Ah oui, alors, bah le oui. Cinématon de Derek Jarman, que j'avais filmé à Berlin oui. en 1981, pendant le festival de cinéma. Donc, le Cinématon est projeté trois fois. Il ne reste plus qu'une projection, parce qu'il est déjà... Il est passé encore hier soir. Il passe encore vendredi, donc, à 15h. Vendredi 4 avril à 15h. Voilà, oui. Donc ce sera la dernière projection de son cinématon. Et son cinématon est très étonnant parce qu'il a voulu se mettre à une fenêtre. Donc il a la moitié du visage complètement sombre parce que c'est l'intérieur c'est l'intérieur d'un immeuble. Et l'extérieur, il a une lumière qui vient le manger. Donc il a vraiment, on a un côté, il y a deux faces, enfin il y a deux côtés de... Il y a le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde chez Jarman. Et c'est lui qui a voulu être filmé comme ça. Et on dirait qu'il se dédouble à un moment donné. On dirait qu'il est deux personnages. C'est assez étonnant. Quoi. Et pour moi, ça serait plutôt peut-être un pressentiment de cette horrible fin pour un plasticien, pour un artiste qu'il a eu, Derek Jarman, parce que vu qu'il souffrait... du sida, il est mort aveugle. Il a fait un dernier très très beau film qui est totalement bleu, où l'écran est bleu tout le temps et où il commente l'histoire qui lui arrive et ce qu'il vit et ce qu'il perçoit encore par le moment, enfin une sorte de luminosité. Et donc ton cinématon pourrait tout à fait aussi préfigurer cet aspect de son histoire. Enfin, ça m'est venu oui, comme oui, ça. Ben, écoute, Donc, il n'y a pas de cinématon sur Cocteau? Ah, malheureusement pas, j'étais en culotte mais courte quand il est mort. Et j'aurais, bon, ça lui aurait plu quand même. Oui, je pense. Tu viens de le voir en culotte courte. Et ben, c'est très dommage. Alors, nous allons parler des autres films de Gérard Courant. Après une première musique qui va passer donc à Radio Libertaire 89.4 et c'est Gérard qui va annoncer la musique qui va passer. Oui, c'est une chanson d'Elisa Point qui s'appelle Mon Impossible et qu'on peut entendre dans mon film qui s'appelle Dresde de sang et de feu. Musique. C'est normal. Ah oui, tes musiques et tes textes. Quelque chose à déclarer avant de se détourner. Tu vas d'abord concourir dans le festival sur les films. Avec un portable. Avec le portable, c'est pas celui-là normalement qui doit passer. C'est un film qui s'appelle Les Aventures de Victor Lé 2, numéro 2, c'est celui-là qui est recommandé. Bon, je l'aurais donné quand même Dresde aussi, j'aurais dit voilà, il existe. Donc si jamais vous voulez le montrer aussi. Et ça c'est eux qui décident. Il n'est pas sélectionné. Je sais pas parce qu'ils sont en train de. Qu'est-ce que c'est beau. J'espère qu'on. Ben on va voir. Ils sont cons. Parce que t'en es dit, je trouve pas que ce soit. Non, mais Les Aventures des Victor Lé 2 est tourné avec portable aussi. Ah bon? Oui. Bon, je suis en train de finir le montage. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc je leur ai donné la copie de travail de Éditeur Lé 2 et puis Dresde. Donc là, ils vont dire s'ils prennent les deux. Normalement, ils doivent prendre que Éditeur Lé. Tu vois? Mais on va voir. C'est dingue cette programmation. Moi j'aime le recommander comme Orlando de Sally Potter. Quelque chose à retrouver la première. Il y a rien puisque c'est l'actrice culte de M. Jarman. Tout est possible. C'est bien, on entend dans le film. Dans un endroit où les critères sont réversibles. Son Édouard II est quand même très beau. The Last of England aussi, pas mal. Son Wittgenstein, moi. Tu l'avais vu, Wittgenstein? Non. Quelque chose. Son
fureur cachée, une froideur qui donne la fièvre. Ça, c'était même un certain succès au bourg. Et puis les autres films là qui mettent dans des sections absurdes, il y a des choses merveilleuses. Il y a Douglas Flash, il y a My Way Home. Ah oui, non, j'ai jamais vu ça. Jacques Hazan, ça je connais, mais j'ai pas vu ça. Ça, il faut absolument aller voir. Ah d'accord. C'est super. Avant que les dernières images ne disparaissent de l'écran, parce que franchement, c'est tellement vieux et il a fait que ça. Ce Bill Douglas, il est mort. C'est inoubliable, c'est une enfance en Écosse, dans un. Bien sûr, ça va être amusant. Merci. Oui, avant, il faisait un peu de. Il flashait le rouge. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on ne voit pas? Maïté me le fait. Radio Liberté à 89.4, nous sommes donc dans la deuxième partie du manège, dans la partie cinéma du manège, jusqu'à 5h, jusqu'à 4h, pardon. Je prends mes désirs pour les réalités. Et puis, nous sommes avec Gérard Courant. Et après avoir parlé donc en long et en large de la programmation magnifique de Bobigny, qui s'appelle Derek Jarman et Jean Cocteau, et qui se déroule encore jusqu'au 13 avril, où vous pouvez voir, surtout ce que je vous recommande particulièrement, c'est Orlando de Sally Potter, qui est programmé le 7 avril à 21h et le dimanche 13 à 19h. Je le redirai donc aussi mercredi prochain, puisqu'il y a encore une projection. Pour les films importants de Derek Jarman, il y a Last of England de jeudi 10 avril, Edward II le 4 avril à 21h, le dimanche 13 avril à 15h. Donc Orlando, pourquoi Orlando? Parce que c'est d'abord une œuvre majeure de Virginia Woolf et c'est un film majeur de Sally Potter qui malheureusement n'a pas du tout obtenu le Lion d'or à Venise, alors qu'elle le méritait, parce qu'il y avait d'autres bons films cette année-là, où elle l'a présenté. Et c'est donc un film avec Tilda Swinton, et il fallait quand même que je dise son nom. Elle a un film à l'affiche qui s'appelle Julia, c'est un film d'Eric Zonka, qui n'avait rien fait depuis des années, et qui la frappe très fort avec un film atypique, mais qui est très 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 bien grâce à, surtout à Tilda Swinton. Et Tilda Swinton est vraiment la star chez Derek Jarman. Donc j'ai fait tous les liens possibles et nécessaires. Et maintenant on parle de Gérard Courant, cinéaste, parce qu'il ne fait pas que des cinématons, loin de là. Et là il a fait un film absolument magnifique sur Dresde. Alors pour toi, dans ton imaginaire, c'était quoi la ville de Dresde? Ah bah c'est pour, oui, pour moi, c'était l'Hiroshima allemand. Quoi. Le Hiroshima allemand. Bon, voilà, c'est tout. Je ne connaissais pas. J'étais jamais allé dans la partie est de l'Allemagne, à part un petit séjour très rapide de quelques heures à Berlin-Est. Bon, très rapide. Et donc, j'ai découvert une ville qui avait une âme. Ça devient de plus en plus rare aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a la ville ancienne qui a été entièrement bombardée et qui a été entièrement reconstruite à l'identique, un peu comme à Saint-Pétersbourg, ça c'est une chose. Et il y a tout le reste, toutes les parties, les autres parties de la ville qui datent du début du 19e siècle, et puis aussi toute une partie qui a été construite après la guerre, qui est une partie qui a été construite par le régime communiste, donc avec des grandes avenues, tout ça. Et donc cet ensemble-là fait une sorte de un cocktail très étonnant, et il y a une âme, et... Alors, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup surpris. J'ai trouvé les Allemands dans la partie Est plus sympathiques que dans la partie Ouest. C'est-à-dire que peut-être que l'argent pourrit les êtres humains, je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut pas en tirer de telles conclusions, mais c'est un fait que les Allemands de l'Est, ou anciennement de l'Est, puisqu'ils n'avaient pas le contact permanent avec des gens qui passaient ou avec des étrangers ou qui ne pouvaient pas voyager, qui ne pouvaient pas sortir, il leur est resté une grande curiosité par rapport à tout ce que faisaient tous ces gens en Europe qui faisaient
tout ce qu'il faisait pendant ces 50 ans d'enfermement, ou presque voilà. 50 ans d'enfermement. En tout cas, moi, c'est ça une explication. Oui. Mais j'ai participé à un festival de cinéma à Dresde, et j'ai trouvé ça vraiment l'ambiance absolument remarquable. Il y avait une gentillesse chez tous les gens que j'ai rencontrés, ce qui se voit de moins en moins souvent, puisque je voyage quand même beaucoup. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup étonné. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film que j'ai tourné avec un téléphone portable Nokia que m'a prêté le Forum des Images, donc qui organise un festival au mois de juin qui s'appelle Pocket Film, donc où, pendant ce festival qui se passe au Centre Pompidou, on demande à des cinéastes de faire des films avec des portables. Donc, on m'avait commandé un film qui s'appelle... Alors, au départ, c'est un film qui s'appelle Les Aventures d'Éditeur Les Deux, qui est la suite d'un film que j'ai fait il y a 25 ans, qui s'appelait Les Aventures d'Éditeur Les. Donc, c'est un film que j'ai presque fini, que j'ai entièrement tourné avec un téléphone portable. Et par ailleurs, profitant de ce matériel que j'avais entre les mains, j'en ai profité pour beaucoup filmer depuis 3 mois. Et je fais notamment un journal filmé que j'appelle mes carnets filmés. Et donc le film sur Dresde, c'est une partie de mes carnets filmés, de ce voyage à Dresde. C'est un film d'une heure, c'est une sorte de carnet de bord impressionniste de mon voyage à Dresde. Et par ailleurs, j'ai fait un autre voyage dans la région nantaise des Sables-d'Olonne au mois de janvier. J'ai fait un autre épisode de mes carnets filmés. Et donc j'ai fait plusieurs épisodes de mes carnets filmés avec ce téléphone. C'est absolument étonnant le résultat. Oui, alors là, il faut vraiment dire que, même si l'auteur trouve ça étonnant, je ne peux que appuyer dans son sens. C'est absolument magnifique quand on note les différentes séquences qui constituent le film, ce que j'ai fait au début pour un peu me retrouver dans le film. C'est effectivement un carnet de bord. Tu aurais pu passer dans toutes ces rues... à pied ou avec une voiture et filmer ce que tu vois. Alors, ce que je voudrais un peu savoir, c'est ta cuisine, parce que il y a vraiment des couleurs psychédéliques et féeriques. On a l'impression, c'est ce que disait mon ami Joseph Guérin, qui est chef opérateur, il se demandait si c'était pas une inversion des couleurs. Où tu travaillais tout à partir des comme une prise, comme le négatif, comme si c'était le négatif de ton positif, et ce qui est jaune devient bleu. Et il dit aussi, et ça c'est très joli, et il a complètement raison, il y a un sautillement qui rappelle les premiers films. Voilà, alors je vais répondre à toutes tes questions le plus vite possible. Oui. Alors, le film entier, la plus grande partie du film, je l'ai transformé en négatif. C'est-à-dire que l'image qu'on voit, c'est de l'image négative. Donc, ça inverse les couleurs. Bon. Alors, le téléphone portable, lui, il a une vitesse de tournage. Enfin, quand on tourne en cinéma, c'est 24 images par seconde. Si on tourne en vidéo, c'est 25 images par seconde. Et avec le portable, c'est 15 images par seconde, un petit peu plus de 15. Donc, quand on transforme ces images de téléphone portable en images sur leur normale, sur l'ordinateur, donc la machine va doubler toutes 3 images sur 4 à peu près, ce qui va donner ce petit scintillement, si on veut, qui nous renvoie au premier film du cinéma quand les films étaient tournés avec une manivelle, c'est-à-dire que la pellicule qui passait devant l'obturateur de la caméra ne passait jamais exactement à la même vitesse parce que c'était tourné avec le bras, avec la manivelle, et donc ça faisait des petites variations lumineuses. C'est pour ça qu'on a cette impression de pompage lumineux quand on voit les films muets. Et là, j'ai retrouvé, par un autre biais, un peu le même esprit. Voilà. Et bon, ça, c'est une chose. Et il faut savoir que l'objectif de ce portable, il fait peut-être 0,5 cm. C'est-à-dire que quand on tient la caméra, quand on tient ce portable et qu'on filme, quand on tient ce portable à la main, automatiquement on bouge un tout petit peu. Et le fait de bouger un tout petit peu avec un objectif qui est minuscule, automatiquement les lois de la perspective sont bouleversées. C'est-à-dire que c'est une sorte de tremblement, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais les lois de la perspective du cinéma, de la vidéo, de la photo, de la peinture, qui sont héritées depuis la Renaissance. Et là, d'un seul coup, elles sont remises en question. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Quand j'ai commencé à filmer et que j'ai vu le résultat, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça, c'est évident. Et donc, j'ai essayé de, par exemple, de faire des travelling, par exemple, à la main. C'est-à-dire, je marchais en filmant. Et donc,
tous ces petits sautillements de l'image, on dirait presque que c'est, la res, c'est une sorte de respiration. De, c'est comme s'il y avait un cœur dans l'image qui battait. Et donc, on a ce cœur au plus profond de l'image. Donc, c'est vrai que moi-même, j'ai été complètement étonné. C'est formidable, après des décennies de cinéma, d'être étonné par des outils que je ne connaissais pas. Et donc, ça m'a poussé à tourner encore d'autres films. On a aussi effectivement l'impression que tu rends très bien cet aspect d'une ville fantôme, alors que là, on voit que c'est une ville réelle. Hein. Mais elle est comme vide, parce qu'on met très longtemps à voir une personne. La seule personne qu'on voit au début, c'est toi, enfin, c'est ton ombre en train de filmer. Ah, et après, on voit pour la première fois une personne entrer dans un bâtiment. Et c'est très joli parce que c'est entre ces deux lions. D'ailleurs, ça représente quoi ? Ah, ça, je sais pas. C'est à l'hôtel. C'est pas un hôtel. Non. C'est une sorte de musée ou de centre d'art contemporain. Enfin, oui. Oui, comme si la ville était vide. Hein. Et à ce moment-là, ta chanteuse chante :« Je dormais si peu en signe d'adieu. » C'est Elisa Point. Oui. Oui, et il y a donc une espèce de gratte sèche. Et il y a une affiche absolument incroyable. Il y a une fille assise sur un WC. Enfin, oui, c'est une publicité qui est peinte sur une camionnette. J'ai trouvé ça très insolite. Qui est très beau. Enfin, sans arrêt, tu passes aux graffitis que tu vois et tu les agrandis pour nous. Oui, et puis il y a des affiches sur les nazis, sur la Stasi aussi. C'est assez étonnant. Oui, il y avait un truc sur Blutspendedienst, ça m'a aussi beaucoup frappé, un service pour donner du sang, donner son sang. Eh bien, nous allons donc malheureusement déjà remercier Gérard Courant pour cette fantastique introduction dans son œuvre. Je pense que on peut peut-être une chose, pour les gens qui voudraient voir des cinématons, il y en a qui sont sur mon site, qui sont en ligne. Il y en a une vingtaine, dont celui de Wim Wenders, de Godard, d'un certain nombre de personnalités du cinéma. Donc on peut les voir en entier sur le site. Le site, c'est www.gérardcourant.com. Et là, en Courant plus... Avec un T. Avec un T. Et en plus, si on veut, il y a une photo de chaque cinématon. Donc il y en a près de 2200 qui ont été réalisés. Donc on a une photo avec le générique, avec la date de tournage, le nom de la personne, évidemment. Donc, oui, et pour voir ce film fantastique, la Dresden, deuxième aventure de Edith Hurley. Les aventures d'Edith Hurley, numéro 2, ça sera pour le festival Pocket Film. Et peut-être que le film sur Dresden, c'est du 13 au 15 juin prochain. Oui, donc j'ai le temps de vous l'annoncer à nouveau quand on sera arrivé au mois de juin. Donc, merci infiniment, Gérard Courant. Et puis, on repasse une deuxième musique annoncer. De Elisa Point, donc voilà, qui est extraite du film sur Brest. C'est Point avec un T. Oui. Le bonheur était là. En fait, il n'est pas extrait de ce film-là, mais c'est l'autre que j'ai fait juste après. Ah, d'accord. Il était sa légende. De tes bras et mes bras. Le film sur Brest. Attention, il y a une caméra dans le champ. Vous êtes Pierre-Yves Borchon. Oui, bonjour. Alors, bonjour, mettez-vous là. Oui. Bonjour, rouge. Bonjour. Ah, salut. Attention, ça tourne. Oui, Gérard, tu vas bien? Est-ce que tu peux donner la musique? C'est fait. Bonjour. Bonjour, Camille. Oui. Il y a encore quelqu'un? Distributeur, bravo, distributeur. Alors, pour la musique, je lui ai dit, je lui ai donné, comme piste pour Yusundur, le morceau du générique, très bien. Du studio. Oui. Je lui ai dit aussi, si vous êtes sur la musique, il y a aussi le chœur de gospel qui est à la fin. Ah, d'accord. Alors, Gérard, tu restes là. Tu penses? Est-ce que tu peux peut-être déplacer juste ton manteau, Gérard, le distributeur, vous venez vous mettre là, à côté de Gérard Courant, d'accord? Lino, il me faut Lino. Distributeur, c'est même sûr, moi, ma fille. Ça va, Camille. Bonjour. Tu vas bien?
très bien, très bien. Vous êtes assis, je regarde qui parle, le vert, le rouge parle, le jaune, le vert, le rouge. Et toi, tu parles aussi? Je pense pas. C'est pour ça. C'est tout? Asseyez-vous, voilà. Personne parle dans ce bus. Alors donc, vert, jaune, rouge. Gérard et moi, on reste au même micro. Plus le rouge. Pierre-Yves Bourgeot a le micro rouge. Et le distributeur que nous avons, Camille Jouer, a le. Tu veux la couleur? Si, c'est le noir. Noir, le noir. Non, noir, je crois okay. Donc nous sommes toujours dans la deuxième partie du manège, partie cinéma jusqu'à 4 heures, et nous sommes très contents et même heureux d'accueillir, parce que nous avions prévu que Gérard Courant, qui est vraiment un ami de la radio et de cette émission, nous parle de cette nouvelle édition des films de Joseph Morbet, qui lui aussi est un peu un franc-tireur, si vous acceptez ce terme, puisque vous aussi, vous travaillez dans un secteur très, très spécifique, même si vous êtes plus proche des arts plastiques que Morder, qui est vraiment quand même un cinéaste d'abord. Il a un parcours absolument invraisemblable. Ses parents étaient juifs polonais, et ils se sont retrouvés en camp de concentration pendant la guerre. Ils ont pu en sortir et ils sont partis habiter en Amérique latine. Et Joseph Morbet, lui, il est né à Trinidad, qui est dans les Caraïbes, en 1949. Et très vite, ses parents se sont installés en Équateur, à Guayaquil. Et donc, il a vécu là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, donc, sa famille a décidé de s'installer à Paris. Lui, il connaissait rien de la France, il ne parlait pas français. Et voilà. Donc, c'est déjà pour situer le parcours. Et donc, Morder, l'autre événement de sa vie, c'est le jour de ses 18 ans, sa mère lui a offert une caméra Super 8. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à filmer toutes sortes de choses souvent banales, des rencontres, des vacances, tout ça. Il a commencé comme ça à filmer. Et c'est là qu'est né son journal. Il a commencé son journal au mois d'octobre 1967, exactement, il y a bientôt 41 ans, et ce journal, il le continue aujourd'hui. Oui, alors je peux juste intervenir pour dire toujours, comme nous sommes obligés, que nous sommes à Radio Libertaire, 89.4, et que nous continuons donc le manège jusqu'à 4 heures, et ajouter aussi que, effectivement, ce ciné-journal, c'est aussi quelque chose qui peut caractériser tant de travail sur le cinéma comme celui de Boris Lehmann, que je vois très proche aussi de cette démarche. Oui, oui, bien sûr. Mais là, bon, je concentrais mon attention sur l'œuvre de Joseph Morder. Et très vite, il s'est mis à faire lui-même, enfin, il s'est mis à faire d'autres films que son journal, des fictions. Mais tout son cinéma depuis toujours est complètement, je dirais, baigne complètement dans l'autobiographie. Alors, dans ce coffret, donc, il y a 4 longs-métrages de Joseph Morder. Donc, il y a El Cantor, il y a Mémoire d'un juif tropical, qui est un film tourné en 1984. Il y a Rome à mort et L'arbre mort. Bon, dans ces 4 films, il y en a 3 qui ont été tournés en Super 8, qui ensuite ont été gonflés en 35 mm. Bon, et la particularité de Morder, c'est que donc, quand on dit autobiographie, c'est complètement... Il brise toutes les frontières. Parce que quand il fait un cinéma dit documentaire, c'est complètement de la fiction. Et quand il fait, c'est-à-dire que dans ces films documentaires, on se dit voilà, c'est tout ce qu'il nous raconte est absolument la réalité. Et en fait,
il part dans il dérive complètement dans la fiction, et à l'inverse, dans les films de fiction, par exemple, quand on prend le film El Cantor, qui est sorti en salle il y a 2 ans, en fait, c'est un film sur son père. Il n'avait jamais fait de film sur son père, il avait toujours fait des films sur sa mère. Là, c'est un film sur son père. On s'imagine que c'est une histoire romancée, tout ça, et c'est dans les moindres détails. Tous les détails, tout ce qu'il montre dans son film sont des choses réelles de la vie de son père. Donc, ce cinéma, c'est-à-dire, on ne l'a... Enfin, je recite un autre exemple, le nouveau film de Vander qui est sorti en salle. Je peux juste dire quelque chose, parce que El Cantor, je l'ai donc revu là, très récemment, et c'est quand même un univers où, que ce soit chaque détail vrai ou pas, la limite, ça n'a aucune importance. C'est la façon de laquelle le tout est filmé qui crée immédiatement un univers singulier. Et à la limite, ça n'a aucune importance que les détails soient vrais ou pas vrais. Il crée un monde complet, un film qui est cadré, mais on sent l'artiste à chaque plan. Absolument. Là, mais quand je disais ça, c'était pour le mettre, par exemple, le dernier film de Mordeur qui est sorti au mois de mai. J'ai plus le titre en tête, mais c'était « Je cherche quelqu'un pour passer le printemps avec moi ». Donc c'est un film filmé avec un téléphone portable, entre parenthèses, mais peu importe, le problème n'est pas là. En fait, ce film-là, donc, on voit le film, et c'est du cinéma, c'est une sorte de cinéma, hyper cinéma direct, vraiment, c'est étonnant, les détails, comment c'est filmé, tout ça. Et il n'y a pas un seul spectateur à la sortie qui pourrait imaginer que c'est un film de fiction. Et c'est un film, c'est entièrement mis en scène, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a la liste des acteurs, et tous les spectateurs sont éberlués. À chaque fois, il est là où on n'attend pas. C'est-à-dire, je compare ça, par exemple, à Vérité et mensonge, le film d'Orson Welles, qui théorise bien le vrai et le faux, et Mordeur, il joue toujours là-dessus, et c'est ce qui est fascinant dans son cinéma, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'installer comme ça, on est toujours en éveil, on est obligatoirement en éveil. Il nous interpelle continuellement. C'est-à-dire que il n'y a pas un moment où on pourrait se dire on va se laisser aller. Non, hop, il est là, il nous brinque-balle dans son univers personnel qui est un univers absolument. Par exemple, le film Mémoire d'un juif tropical. Donc, il est juif. Bon. Son cinéma baigne dans cette culture-là. Mmh. Les tropiques, toute son enfance, il a vécu dans les tropiques. Il n'y a pas un film de Mordeur où on ne parle pas de ça, où c'est pas présent quelque part. Ce magnifique coffret où il y a toujours El Cantor, la roman Mémoire d'un juif tropical et Romain Moore, c'est édité par La vie est belle. Hein, La vie est belle, ce qui est aussi un petit clin d'œil. Un autre film connu. Et là, je voulais quand même aussi te demander, parce que très souvent, dans ton cinéma à toi, Mordeur aussi intervient. Il est comme un ami qui est intégré dans ta création depuis très très longtemps. Ah oui, oui. Joseph a dû tourner dans 70 de mes films. 70. Oui, là, depuis 1978, à peu près, le premier film que j'ai fait avec lui. Et là, j'ai regardé comme ça, j'ai fait un compte rapide, voilà le nombre de films. Et j'ai même réussi à le faire jouer dans mon film Chambéry-les-Arcs, qui est un film de passion sur la bicyclette, sur le vélo. Lui, qui ne sait pas faire de vélo, il est présent dans le film, et en plus, il joue 2 rôles. Et donc, c'est pour dire que c'est un personnage... Joseph Mordeur est aussi un grand acteur, je ne l'ai pas dit, mais il joue dans beaucoup de ses films, et comme acteur, c'est un acteur absolument remarquable, dans ses films, mais aussi dans les films des autres. Oui, parce qu'il manie tous les registres. En fait. Et j'ai vu des films de Mordeur où il joue plusieurs rôles lui-même. Bon, tragédien aussi. Oui. Et dans ce coffret, il y a un film absolument étonnant qui n'est pas de Joseph Mordeur, qui est un film qui s'appelle José de Guayaquil, qui est réalisé par 2 cinéastes équatoriens qui s'appellent Fernando Mieles et Pepe Yepes, qui ont fait en 2002, parce qu'en 2002, Joseph Mordeur est retourné en Équateur pour la première fois depuis son départ en 1962. 40 ans après, il retourne là-bas. Et donc, il y a 2 cinéastes qui l'ont suivi pas à pas. Et c'est un film d'une force absolument... Mais j'ai rarement vu un document aussi fort, parce qu'il est retourné jusque dans la maison où il habitait. Il est retourné au cimetière où il y a toute sa famille. Il pensait que les tombes allaient être complètement
par terre, qu'il ne les retrouverait pas. Les tombes étaient encore en parfait état. L'appartement où il est allé, il retrouvait tout. Il disait, voilà, là, il y avait telle chose, là, il y avait le téléphone. Mmh. Et c'est absolument étonnant, parce que c'était une ville qui a beaucoup changé, hein, parce qu'elle faisait 400 000 habitants quand il est parti, elle fait 2,5 millions aujourd'hui. Il a retrouvé les vestiges des deux cinémas où il allait toujours, qui étaient à côté de chez lui. Il y a même un endroit, c'est étonnant, le cinéma a brûlé, donc il a disparu. Et donc c'est une sorte de petit parking à la place. Et par terre, au sol, dans le ciment, il y a encore les trous où étaient attachés, les trous où étaient attachés les sièges de cinéma. C'est complètement... Mais c'est étonnant comme film. C'est-à-dire que lui, il a vécu à ce moment-là, dans ce film, une sorte de rêve. C'est-à-dire que un rêve, mais vraiment éveillé, ce qui n'arrive presque pratiquement jamais dans la vie de quelqu'un. Et lui, il l'a vécu pendant 10 jours. Et ce film-là restitue bien ça. Donc, alors, nous sommes complètement redevables à Gérard Courant de faire à ce point l'éloge de Joseph Mordère et de ses films qui sont donc présents dans un coffret magnifique DVD. Alors, le manège tourne et nous arrivons déjà au terme de cette émission. On est arrivé donc au terme de l'émission. Je vous remercie de votre écoute. Je voulais simplement dire une petite chose à Ike. Oui. C'est que le dernier long métrage de Joseph Mordeur est toujours en salle. Donc il faut consulter les bons programmes. C'est le film donc réalisé avec un téléphone portable qui s'appelle J'aimerais partager le printemps avec quelqu'un. Et puis il y a un autre DVD qui est sorti il y a quelques mois, un double DVD avec mon film Le journal de Joseph M. Et un épisode du journal filmé de Mordeur de 1982 qui s'appelle Les nuages américains. Bravo. Voilà qui est dit. Bien. Alors voilà qui est dit. Et merci Boris d'avoir tant de patience. Et de passion.